voilà bientôt une semaine que le gouvernement édicte des mesures pour se protéger contre le coronavirus sur tout le Tchad, mais leur application pose problème face à l'indiscipline et l'incivisme. La cellule de paix ne cède pas et longtemps à la fermeture des marchés. À la réunion d'urgence ministère de la Santé publique, ministère de la Sécurité, il a été décidé que les forces de l'ordre vont entrer dans la danse pour faire respecter les différentes mesures dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Vous comprendrez pourquoi. Dimanche 22 mars 2020, il est 20h, le journal sur Télé-Tchad. La pandémie de coronavirus continue sa progression dans le monde et les chiffres sont effrayants. L'on compte 13 000 morts à travers le monde. Le Tchad n'est pas épargné, mais heureusement, nous n'avons qu'un seul cas confirmé à ce jour. La sensibilisation se poursuit. Nous avons invité ce soir le directeur des maladies transmissibles au ministère de la Santé publique, Dr Chérif Baradine. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Si. Ok, il y a de l'espoir. Selon vous, est-ce qu'il y a de l'espoir que cette pandémie va prendre fin dans les prochains jours? Je dis oui, il y a de l'espoir parce que il faut intégrer la maladie à coronavirus dans notre quotidien. Mm-hmm. Il faut la combattre, mais bien sûr pour la combattre, il faut la comprendre. Voilà, que tout le monde puisse comprendre quelle est cette maladie, comment elle se transmet, quelles sont les mesures de lutte, quelles sont les mesures de prévention face à cette maladie. Et ça, c'est important. À tout à l'heure pour en savoir plus. Merci. Merci. Les différents marchés de N'Djamena sont sur le point d'être fermés. La cellule de veille de la sécurité sanitaire qui s'est réunie cet après-midi a statué sur la situation. La lutte contre le coronavirus appelle à prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de stopper la propagation. Nassonoujiti. Après, les dignitaires religieux, c'est au tour du patronat, de la chambre du commerce, du délégué général, du gouvernement près la commune de N'Djamena, du maire de la cité capitale et des directeurs des trois grands marchés de N'Djamena, ainsi que du responsable de l'association des consommateurs, d'être convoqués par la cellule de veille et de sécurité sanitaire, présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi. La discipline a sauvé la Chine face au coronavirus. L'indiscipline et l'incivisme risquent de nous éclabousser ici si l'on n'y prend garde, a martelé à l'entame de la rencontre le président de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire. Nous avions interdit la circulation des bus et minibus ce 21 mars. Quelle ne fut pas ma surprise de constater ce dimanche en venant au bureau que des clients continuent allègrement à emprunter ces moyens de transport. Nous allons passer à la vitesse supérieure, a-t-il poursuivi. Le marché est une zone d'affluence par excellence. La cellule de veille et de la sécurité sanitaire du COVID-19 souhaiterait avoir le point de vue des différents acteurs par rapport à la fermeture de nos marchés. Amir Adoudou Artine, président de la Chambre de commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des mines et de l'artisanat se prononce. On a évoqué beaucoup de cas, on a débattu ça de fond en comble et je pense que c'est du débat que naîtra la solution et donc nous encourageons et nous le remercions de nous avoir conviés à cette rencontre-là et d'avoir écouté également une autre position que la simple position gouvernementale. L'Association pour la défense des droits des consommateurs, ADC, représentée par son secrétaire général, Daoud Alhaj Adam, se prononce également. Quand on voit aujourd'hui le transport public, les gens continuent à utiliser ce transport public. Ce qui n'est pas normal, c'est contraire à la mesure. Pour nous, le gouvernement ne doit pas faire l'économie des mesures efficaces pour préserver le Tchad de cette pandémie. Autant agir maintenant que de pouvoir gérer les aspects curatifs. Pour la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Mme Ashta Djibril Sy, la cellule de veille et de la sécurité sanitaire avisera très bientôt. Peu avant de lever la séance, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a porté à la connaissance de l'assistance que le Marocain atteint du coronavirus, admis à l'hôpital de Farcha, récupère suffisamment bien.
il répond positivement au traitement et son pronostic vital n'est pas engagé. Comme vous venez de le suivre dans le reportage interrogé à l'issue de la réunion, la ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Achita Djibril Sy, déclare que la cellule de veille et de sécurité sanitaire se prononcera dans les heures qui suivent par rapport à la fermeture des commerces non alimentaires. Elle est interrogée par Nationality. Comme vous le savez, le marché est un lieu de regroupement. Et j'ai sillonné ce matin même plusieurs marchés et je me suis rendu compte effectivement qu'il était très difficile de respecter les consignes. Par exemple, par rapport à la distance de 1 mètre, vous comprenez qu'il n'est pas possible pour des vendeuses de se mettre à une distance de 1 mètre les unes des autres. Et ensuite, nous avons vu également que c'est vraiment touffu. On avait eu de la peine même à accéder au centre social numéro 1 parce qu'on voulait passer par là. Et donc, il y a eu des arguments pour et contre. Et je crois que ce qui est mis sur la table, c'est vraiment le degré de vulnérabilité de certains et certaines de nos compatriotes qui vivent au jour le jour. Nous avons des ménages qui vivent au jour le jour, donc qui sont obligés de se rendre sur les marchés tous les jours. Nous avons également des commerçantes qui n'ont pas un capital, mais qui vont au marché auprès des grossistes et qui prennent ces produits, qui les revendent et qui vivent seulement du bénéfice. Et donc la décision qui a été prise, ça sera beaucoup plus celle de fermer les boutiques qui vendent des articles, des produits qui ne sont pas indispensables. C'est pour dire qu'on va privilégier les alimentations et également le commerce de produits alimentaires et produits de première nécessité d'une manière générale. Et donc, c'est ça qui va probablement être décidé. Je ne voudrais pas dire que la décision a déjà été prise, parce que nous avons simplement écouté les propositions, les analyses qui ont été faites par les différents acteurs. La tendance serait effectivement celle d'aller vers la fermeture des boutiques qui ne vendent pas des produits alimentaires. Ceci permettrait de garantir la fluidité de la circulation dans les marchés. Je l'annonce en titre que le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre Mamata Abali Sala et celui de la santé publique Mahamoud Youssouf Khayal ont co-présidé une réunion des sécurités. Il s'est agi de faire la situation sur l'évolution des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Amanissa Kazina. Coronavirus ou Covid-19. Ce petit monstre ne cesse de dicter sa loi à travers le monde. Jusqu'ici, le Tchad, pays situé en plein cœur du continent africain, n'a enregistré qu'un seul cas. Devant cette menace qui n'épargne personne, le gouvernement tchadien a dû prendre des mesures coercitives pour circonscrire cette pandémie qui trouble la quiétude de l'humanité. Mais hélas, bon nombre de ces mesures ne sont pas respectées par la population. Ce matin, au ministère de la Défense, plusieurs responsables des grandes formations militaires et sécuritaires, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, ainsi que le procureur de la République, tous ont répondu présents à la réunion dite réunion d'urgence. À l'ordre du jour, un seul point à débattre, l'applicabilité des mesures gouvernementales pour contrecarrer coronavirus. En face d'eux, nous avons deux membres du gouvernement, Mohamed Abali Salah et Mahmoud Youssouf Khayal. Pour les deux ministres, l'heure est grave. Il faut passer à la vitesse supérieure, puisque selon eux, les mesures édictées par le gouvernement dans le souci de combattre et de juguler la pandémie sont malheureusement mal comprises par la population. Les forces de défense et de sécurité sont désormais instruites pour mettre en exergue ces mesures, situe Mohamed Abali Salah. Quelques pays ont eu ces cas avant nous, et ici ils ont pu surmonter ces cas, c'est grâce au respect strict des mesures. C'est vrai, le gouvernement a communiqué, a sensibilisé. Nous pensons qu'aujourd'hui, à cette réunion où toutes les grandes formations de la force de défense et sécurité sont réunies avec le ministre en charge de la santé, de faire respecter toutes ces mesures en employant toutes nos forces de défense et de sécurité. Je demande le sens de patriotisme et de compréhension de nos populations. C'est vrai, nous avons des us, des coutumes, des cultures diverses. Mais sur la question
nationale sur la patrie, nous allons conjuguer nos efforts et regarder dans la même direction, celui de respecter les consignes de nos gouvernants et celui de notre pays. Pour le cas des Tchadiens de l'extérieur, le général des corps d'armée, Mohamed Abbali Salah, est on ne peut plus clair. Je profite de l'occasion pour m'adresser à nos compatriotes qui sont à l'extérieur de notre pays, de garder leur position et de garder leur calme, parce que les frontières sont fermées, elles seront fermées jusqu'à un nouvel ordre. Donc il n'y a pas une raison ou de se bousculer ou de bouger. Tout en rassurant la population tchadienne sur la capacité de son département à faire face à cette menace planétaire, le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Kayal, insiste sur le respect des consignes. Nous sommes condamnés à travailler ensemble, nous sommes condamnés à renforcer notre solidarité et nous sommes obligés maintenant de négliger aucun élément. Et dans les 2 semaines, que Dieu nous protège et que ce cas ne serait souscrit qu'au premier cas. Et là, ça, c'est une fierté du Tchad aujourd'hui que tous les officiers supérieurs avec les cadres de la santé, les cadres de la ville se retrouvent pour dire comment on va faire. Si certains pays, à l'image de la Chine, ont pu juguler ou contenir la pandémie, c'est parce que les efforts à différents niveaux ont été conjugués. La ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Aïcha Djibrine Sy, accompagnée de quelques représentantes des associations féminines, a fait une descente dans quelques marchés de la ville de N'Djamena. C'est pour sensibiliser les commerçants de ces différents marchés sur le Covid-19. Falambi Sougan. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé et les leaders des organisations féminines matérialisent leurs actions pour barrer la route à la pandémie du coronavirus. Aïcha Djibrine Sy et la délégation qui l'accompagne ont sillonné ce dimanche le marché central de N'Djamena, le marché Amil, celui de Dembe et le marché Al-Afia. Partout où elle est passée, Aïcha Djibrine Sy a insisté sur le respect strict des mesures prises par le gouvernement. Nous disons que c'est une lutte universelle et au niveau de cette mobilisation, de cet engagement du département du commerce, nous avons obtenu l'engagement citoyen de l'Union des femmes commerçantes. Et aujourd'hui, nous sommes venus au niveau du marché central pour faire le lancement de cette campagne de sensibilisation qui concerne tous les 10 arrondissements. Et donc, le marché central, c'est effectivement un lieu de forte concentration. Et nous sommes venus avec toutes les femmes ici pour procéder à l'affichage des posters qui essayent de passer le message des gestes barrières et particulièrement insister sur le respect des prix. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Développement du secteur privé a eu ensuite à échanger directement avec les commerçants à qui elle a instruit le respect des prix des denrées alimentaires sur le marché. Pour leur part, les responsables des organisations féminines ont appelé les commerçantes à vulgariser le message à tous les niveaux. Cette caravane de sensibilisation s'étendra dans tous les marchés de la capitale. Pendant que les Tchadiens se mobilisent pour barrer la route au coronavirus, certains commerçants se livrent à la surenchère dans les marchés. Qu'est-ce qui explique ce comportement? Une de nos équipes s'est rendue dans quelques marchés de la ville et en Guélie au poste frontalier Tchad-Cameroun. Regardez. Nous sommes en Guélie, à la frontière Tchad-Cameroun. Ici, c'est le carrefour. Les gros porteurs sur le point de départ ont déjà fini par décharger les marchandises. Ils sont sur le point de retour. Et voilà un autre camion en provenance du Cameroun. Il franchit le poste de contrôle douanier d'Nguélie. À côté, l'autre se prépare pour son départ. Destination finale, les grands marchés de la capitale. Telle est la scène quotidienne au poste frontalier d'Nguélie. Au marché Amil, par exemple, les marchandises peinent à contenir les boutiques. Ils sont exposés à l'air libre, obstruant le passage. Face à la caméra, les grossistes refusent de se prononcer sur les prix des denrées alimentaires. Pour les vendeuses qui se sont prononcées, les prix sont variables. Pour moi, pour augmenter le prix, c'est pas bien. Parce que le coronavirus, c'est une maladie. Eau de Javel, ça peut dégager le coronavirus, ils sont dit comme ça. En vrai, dire ou bien en vraie chose, ça va diminuer. Peut-être avant c'était à 750, maintenant ça va venir à 600. Mais ils ont augmenté le prix encore. Pourquoi? C'est pas normal. Cette attitude des commerçants inquiète les consommateurs. C'est depuis vendredi qu'on a remarqué ça dans les supermarchés, que même les habitants sont allés même au supermarché faire déjà des provisions. C'est comme si il y a une guerre.
Et comme ça que les commerçants, vu comme ça, ils ont augmenté. Parce que c'est tout le monde qui achète maintenant. Moi, ce que je veux dire aux commerçants, il ne faut pas qu'ils aient dans leur tête que même s'il y a la guerre, même s'il y a des problèmes, il ne faut pas qu'ils augmentent les choses. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité, qui a le moyen de payer. Par exemple, si une tomate qui coûte 100 francs, et la personne qui n'a pas le moyen pour acheter à 100 francs et puis c'est augmenté à 250, comment cette famille va manger? En cette période, les commerçants se livrent à la surenchère, foulant ainsi les mesures prises par le gouvernement et le concept juste prix qui consiste à améliorer les conditions de vie des populations. Merci Varelaj. Nous retrouvons notre invité de ce soir. Je rappelle que nous recevons Dr Chérif Baradine, directeur des maladies transmissibles au ministère de la Santé publique. Docteur, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Quel est l'état des lieux de la riposte depuis la déclaration du premier cas de coronavirus dans notre pays? Ok. Comme vous le savez, le Tchad a notifié son premier cas de coronavirus, donc le 19 mars 2020. Ouais. Il s'agit bien évidemment d'une nouveauté parce que nous avons été épargnés nous venons de découvrir ce premier cas. Donc il fallait que des mesures urgentes, des mesures rigoureuses puissent être prises parce que en termes notamment de renforcement de la surveillance. Donc dès l'annonce de ce premier cas, nous avons tenu une réunion de crise présidé par le directeur général du ministère de la Santé publique, avec pour focus le renforcement de la surveillance. Bien entendu, ce renforcement de la surveillance vise une recherche active et un suivi des patients, et notamment des contacts, un suivi de contacts. Donc il fallait rechercher tous les contacts de ce premier cas, que nous appelons en tout cas le cas index. Il fallait également, d'autres mesures ont été prises, notamment en termes également de renforcement des mesures de prévention et de contrôle de l'infection dans l'ensemble, en tout cas, de nos formations sanitaires. Il fallait également assurer une investigation rigoureuse de tous les cas. Donc, ce dispositif, bien entendu, va avec le renforcement de nos équipes. Donc, nous avons des équipes de suivi. Nous avons une équipe. Il fallait renforcer les équipes de suivi. Il fallait renforcer les équipes de prise en charge. Il faut renforcer également les équipes d'investigation. Cela avait été fait. Je pense qu'à l'heure où nous sommes, ce cas, il est géré. Le cas, il est géré parce que ce patient, il est stable. Je pense que nous continuerons à le suivre, tout comme nous continuons à suivre de manière très énergique, en tout cas, tous les cas, tous les contacts de ce premier cas. Docteur, est-ce que vous pouvez nous parler des dispositions prises par le ministère de la Santé publique pour assurer la population et le personnel de la santé impliqué dans cette riposte? Oui, nous disons tout simplement qu'il ne faut pas paniquer, parce que ce cas, il faut le gérer, nous continuons à le gérer. Il faut rassurer les gens parce qu'à travers, nous continuons en tout cas, à travers la télé, à travers la radio, à renforcer en tout cas la communication pour que les gens soient mieux informés et qu'ils puissent évidemment mieux combattre cette maladie. Donc tous azimuts, au niveau de la télé, au niveau de la radio, nous avons des spots qui passent en tout cas, qui sensibilisent, qui expliquent ce que c'est que la maladie au coronavirus, mais également qui explique également à la population quelles sont les mesures efficaces, des gestes simples qui permettent en tout cas d'éviter de contracter la maladie au coronavirus. Un mot sur le laboratoire mobile. Le laboratoire mobile, c'est un dispositif qui est important. On ne peut pas combattre en tout cas cette maladie si on n'a pas ce laboratoire. Vous savez que le Tchad, avant que notre laboratoire ne soit opérationnel, nous devons en tout cas envoyer nos prélèvements soit au laboratoire à Pretoria, en Afrique du Sud, soit à Dakar. Mais Dieu merci, actuellement nous avons un laboratoire qui est mobile, qui est fonctionnel, qui est opérationnel, ce laboratoire mobile, avec un renforcement des capacités, parce que nous avons des laborantins qui ont été formés et qui assureront actuellement, puissent en tout cas effectuer ce test de manière efficace. C'est pourquoi notre premier cas a été identifié au niveau de ce laboratoire. C'est un laboratoire mobile qui avait été acquis, en tout cas dans le cadre de la coopération avec le gouvernement allemand, dans le cadre de l'appui que l'Allemagne a fourni au pays du G5 Sahel. Ok, comment se déroulent donc les activités au centre d'isolement et de prise en charge? Les activités, c'est un renforcement des équipes. C'est le renforcement des équipes de prise en charge. Donc, nous avons renforcé les compétences
Donc il y a eu une formation très rapide, en tout cas en termes de renforcement, en termes de renforcement de la prise en charge, en termes de renforcement de la prévention dans cet hôpital, parce qu'il faut créer les conditions optimales pour que, en tout cas, on puisse suivre les contacts, pour qu'on puisse également, en tout cas, assurer une prise en charge adéquate de ce cas. Donc les dispositions sont prises, nous avons ces équipes, en tout cas ces équipes de prise en charge qui assurent régulièrement en tout cas le contrôle des contacts matin et soir et qui effectivement veillent à ce que dès qu'on a un signe, en tout cas on puisse en tout cas assurer, faire un prélèvement. Ok, le coronavirus étant une maladie transmissible, quel conseil avez-vous à donner à nos téléspectateurs? Voilà, le conseil que j'ai à donner, c'est, je l'ai dit au départ, il faut comprendre la maladie, il faut comprendre la maladie. Il y a des gestes simples qui sauvent, notamment nous insistons sur le lavage de mains, ouais. C'est un bon lavage de mains avec de l'eau et du savon. Nous insistons également sur le fait d'éviter de se serrer les mains. Il faudra également éviter d'avoir un contact à moins d'un mètre. Rester à une distance de 1 mètre. Il faut effectivement, quand on tousse, quand on éternue, il faut soit avoir un mouchoir, soit en tout cas mettre en tout cas le nez en tout cas sous le coude. Ouais. Il faut évidemment éviter en tout cas les rassemblements. C'est important. Ces mesures, elles sont, c'est des mesures sanitaires, c'est des mesures qui sauvent, c'est des mesures qui sont simples, c'est des gestes que nous devons apporter. Et comme je l'ai dit au départ, nous devons intégrer actuellement le coronavirus, en tout cas, dans notre quotidien. Merci, docteur. Je rappelle que vous êtes directeur des maladies transmissibles au ministère de la Santé publique. Merci surtout d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Merci. Merci. Rendons-nous tout de suite à Pala, dans le Mayo-Kébi Ouest, pour faire le constat, le même constat que celui de N'Djamena sur le respect des mesures préventives contre Covid-19. Et c'est un reportage de Doba John Sala. Mesures préventives prises par le gouvernement tchadien pour empêcher la propagation du Covid-19 commence à être observée par la population de la ville de Pala. Les cabarets, endroits les plus fréquentés, sont déserts. Les bars ont les portes closes. Dans les quelques rares de points de grillade, les clients sont invités à se laver systématiquement les mains. La ville de Pala s'adapte au rythme des mesures préventives pour bloquer le coronavirus. Ce dimanche, les fidèles chrétiens se sont pliés face aux injonctions gouvernementales. Pour le maire de la ville de Palatau Indabo, les mesures préventives édictées par le gouvernement tchadien et les autorités sanitaires ne doivent en aucun cas être négligées. Si le gouvernement a pris des mesures pour éviter cette maladie, je veux dire que le gouvernement a vu le danger. Je crois que tout le monde sur la radio, il y a eu déjà beaucoup de cas un peu partout. Si aujourd'hui nous n'avons pas encore enregistré des morts, nous devons dire merci Dieu et on doit appliquer les mesures prises par le gouvernement. Et du côté des autorités sanitaires provinciales du Mayo-Kébi Ouest, quelques dispositions sont prises. Le nouvel hôpital provincial de Pala, non opérationnel, situé à 2 km au nord de la ville, pourrait servir pour la mise en quarantaine des cas suspects. Dans la ville de Pala, tout le monde est conscient du danger que représente le Covid-19. Et chacun prie pour que cette pandémie soit vaincue afin que la vie reprenne son cours normal. Dans la Tandjilé, la délégation sanitaire a organisé un atelier de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre le Covid-19. Eric Guédi. Dans sa présentation face à l'assistance, le délégué provincial sanitaire de la Tandjilé, Dr Dias Nabayelizi, a souligné que le coronavirus forme une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez l'homme et chez l'animal. Plusieurs coronavirus peuvent entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et le syndrome respiratoire aigu sévère, a-t-il ajouté. La fièvre, la fatigue et la toux sont entre autres les symptômes les plus courants de la COVID-19, a précisé Dr Josnabai Élisée. Il ajoute que certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, les maux de gorge ou une diarrhée. Le point focal du comité provincial de nutrition et d'alimentation de la Tandjilé, l'Arnaud Gilbertine, par ailleurs formatrice nationale en assainissement total, a souligné qu'il y a de pratiques recommandées en matière d'eau, hygiène et assainissement, qui est donc le lavage des mains, un acte qui sauve la vie à la portée de toutes les communautés et de toutes les familles, a-t-elle renchéri. Complétant le point focal du CPNA de la Tandjilé, Dr Josnabai Lizé, de préciser que si
vous êtes près de la personne, vous pouvez inhaler ces gouttelettes. Et donc, le virus responsable de la COVID-19, c'est la personne qui tousse en est porteuse. Après tour de table, le gouverneur de la province de la Tondjilé, Garbou Dumédor Jacob, a exhorté les participants à cette assise de mener des activités d'information et de sensibilisation auprès de toutes les couches de la population. Revenons à N'Djamena pour dire que les autorités municipales du 8e arrondissement ont organisé une réunion de sensibilisation sur l'application des mesures prises par le gouvernement contre le COVID-19. Varelach. La problématique de la santé du couple mère-enfant et de l'adolescent a fait l'objet d'analyses durant les 6 jours de travaux de cet atelier. Acteurs de la société civile, responsables sanitaires, partenaires techniques et financiers ont examiné toutes les questions relatives aux investissements du Tchad dans la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile. Les partages d'expériences ont permis de lancer le processus d'élaboration de la feuille de route, pouvant permettre au Tchad de disposer d'un dossier pour accéder au Global Financing Facility. Les priorités retenues correspondent bien à celles du gouvernement. Il ne vous reste qu'à entamer le plan d'action ou dossier d'investissement proprement dit, qui comprendra certainement les parties suivantes: la chaîne des résultats, la théorie des changements, les cadres programmatiques et de performance, la budgétisation et sa répartition par programme, et le plan ou cadre de mise en œuvre du dossier d'investissement du mécanisme de financement mondial. Les jalons de la rédaction du dossier d'investissement du mécanisme de financement mondial étant posés, les acteurs se fixent le défi de l'achever en juin 2020. C'était un reportage de Joël Litney sur les travaux de l'atelier pour l'analyse de la situation de la santé maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent. Le président de l'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad, Hassaballah Mahadi Fadla, a fait un point de presse pour inviter la population au respect des mesures de prévention et de lutte contre le COVID-19. Suivez. Partant du rôle social et du devoir national et humain vis-à-vis des questions d'ordre public, et surtout avec la menace grandissante que constitue la propagation du virus corona, devenu une pandémie mondiale qui menace la vie humaine dans tous les pays du monde et dont les avertissements commencent à frapper les portes de notre cher pays. En exécution de nombreuses orientations et mesures préventives prises par le gouvernement tchadien, en vue de protéger ses citoyens du risque de la propagation des virus dangereux. L'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad voudrait bien déclarer les points suivants. Soutenir toutes les précautions prises par le gouvernement tchadien contre la propagation du coronavirus et appelle tous les citoyens à s'y conformer à tous les niveaux et domaines en vue de se protéger et de protéger tous ceux qui leur sont chers. Sachez que les autorités municipales du 8e arrondissement ont organisé une réunion de sensibilisation de l'application des mesures prises par le gouvernement contre le coronavirus. Regardez. À cette rencontre convoquée par le maire de la commune du 8e arrondissement, Fatima Yaya Abdoulaye, l'accent est mis sur la prévention du coronavirus. Cette autorité municipale, face à la pandémie du COVID-19, elle sensibilise les conseillers, les délégués des marchés, les chefs des carrés et les représentantes des associations féminines sur les mesures sanitaires prises par le gouvernement. Le maire appelle ses proches collaborateurs à jouer le rôle de relais dans cette sensibilisation. On vient appliquer les procédures de l'assainissement, de désinfection, avec des lavages des mains, avec du savon pour éviter toute maladie dans notre commune. On va tenir à montrer à nos représentants des associations, des délégués des quartiers, des délégués du marché, des autorités, de la sécurité pour faire la démonstration et les mettre en action.
Pour donner l'exemple à ses proches collaborateurs, le maire de la commune du 8e arrondissement, Fatime Yaya Abdoulaye, a fait le porte-à-porte pour demander à chaque chef de ménage l'observation des règles élémentaires d'hygiène recommandées par le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit notamment du lavage des mains avec du savon. L'Association de valorisation pour le développement, par la voix de son président, demande à la population de rester calme et de respecter les consignes du gouvernement. Suivez. Nous, membres de l'Association de valorisation pour le développement, invitons la population à respecter les mesures préventives, notamment le respect strict des règles d'hygiène, précisément le lavage régulier des mains avec du savon, se salir sans se serrer les mains et éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. Vous êtes sans ignorer que notre pays a déjà enregistré un premier cas de coronavirus. Face à cette pandémie, seule la prévention demeure l'arme efficace pour freiner la propagation. Comme vous avez pu le constater, la Chine, qui était l'épicentre, a pu circonscrire l'évolution de cette maladie grâce à la prévention. Une fois de plus, nous lançons un appel à tous les compatriotes à respecter scrupuleusement les mesures prises par le gouvernement. Nous demandons par ailleurs aux dignitaires religieux de toutes les confessions de multiplier les sacrifices afin que Dieu nous protège. Le collectif des femmes actives du premier arrondissement aussi demande aux femmes de la commune de respecter les règles d'hygiène. Suivez la secrétaire générale Ashta Jidda Oumar. Nous, collectif des femmes actives du premier arrondissement des villes d'Ndjamena, avons-nous entamé la campagne de sensibilisation pour informer les femmes à suivre les mesures du gouvernement pour lutter contre ces pandémies. C'est pour cela que nous avons fait le tour du marché pour exhorter les femmes à porter le gant et le masque avant de faire les achats. Tout autour de nous, les gens sont mis en quarantaine pour une bonne sensibilisation. Nous avons demandé aux femmes de retenir leurs enfants pendant que l'ambulance passe. Nous remercions par la suite le gouvernement et ses partenaires, l'OMS, pour les décisions qui peuvent sauver des vies au Tchad. La compagnie IHRA suspend également ses activités pour cause de coronavirus. Les responsables de cette organisation l'ont annoncé ce 22 mars lors d'un point de presse. Suivez. La campagne IHRA est considérée comme un projet culturel pour les jeunes visant à promouvoir une culture de la lecture et l'acquisition des livres pour construire une génération qui fait de la connaissance son symbole. Cependant, nous voudrions attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale que malgré cette volonté, ce moral de faire pour le travail, et dès lors que la prévention de la sécurité de l'homme prime sur toute chose, la campagne IHRA, conformément aux mesures préventives annoncées par les autorités compétentes, annonce ce qui suit. La suspension des activités et des événements publics liés à la campagne jusqu'à nouvel ordre. Le report du salon du livre de la campagne IHRA, qui est d'habitude réalisé chaque 23 avril de chaque année, au mois de novembre prochain en cas de retour à la vie normale. La poursuite des activités de la campagne au niveau des médias et de la sensibilisation sur les réseaux sociaux. La campagne IHRA invite les élèves à profiter de ce temps pour lire. La campagne IHRA met l'accent sur la nécessité de respecter les mesures prises par les autorités compétentes pour prévenir l'épidémie et invite ses collaborateurs de l'équipe des jeunes à travailler sur la sensibilisation à la santé dans le cadre de la responsabilité sociale.
Signalons que l'Union des détenteurs des ciné-clubs du Tchad adhère à la décision prise par le gouvernement concernant les mesures de lutte contre le coronavirus. L'annonce a été faite par le président de l'Union, Abanga Ramadan. Extrait. Nous avons convié à ces points de presse par rapport à la décision du gouvernement relative à la lutte contre la pandémie de COVID-19, communément appelée coronavirus. Cependant, au fil des jours, chemin faisant, le Tchad aussi a été touché par cette maladie au travers d'un expatrié d'après le communiqué officiel du gouvernement de la République du Tchad. De ce qui précède, nous nous appuyons sur la décision du gouvernement pour demander à tous les détenteurs de ciné-clubs tchadiens, qu'ils soient membres ou non membres de l'UTCCT, de suspendre les activités jusqu'à nouvel ordre. Par cet acte, l'UDCCT entend contribuer avec le pouvoir public pour éradiquer le coronavirus du Tchad afin d'atteindre le point 3 des objectifs durables pour le développement. La teneur de ce communiqué, le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie tient à informer la population que pour des raisons de surproduction, la raffinerie de Djarmaya procédera à une suspension provisoire d'activité, des activités de production à compter du mardi 24 mars 2020. Cette suspension temporaire est une nécessité en vue de permettre de réduire la quantité de produits pétroliers en surplus dans ces cuves. Selon le dernier inventaire de la raffinerie, la quantité du stock des produits pétroliers liquides dépasse le niveau de stockage prévu. Par ailleurs, le ministre tient à rassurer la population que cette mise en arrêt de production n'impactera pas l'approvisionnement en produits pétroliers, essence, gazole, jet A1, gaz butane auprès de la raffinerie. Les marketeurs habituels procéderont à l'enlèvement des produits comme à l'accoutumée. Le ministre introduit l'autorité des régulations du secteur aval du Tchad, Arsat, dans son rôle de régulateur, de suivre de près la distribution afin que les produits soient disponibles à tout moment, mais aussi d'éviter un quelconque désagrément. Fait en Djamena, le 20 mars 2020, le ministre Amat Hamid Koua. Nous sommes le 22 mars. En cette date, la communauté internationale célèbre la journée de l'eau. Qu'est-ce qui a été fait dans le domaine de l'accès à l'eau potable au Tchad? Nouba Doumbaye Talomadi nous en parle. C'est précisément en 1999 que l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 22 mars comme première journée mondiale de l'eau. 27 ans, jour pour jour, que cette journée est célébrée de façon mondiale en mettant en exergue la problématique d'accès à l'eau potable. Il s'agit non pas seulement d'une célébration symbolique, mais de la poursuite des efforts constants de sensibilisation de l'opinion publique, des acteurs sociaux aux problèmes liés à l'eau. L'eau est essentielle à l'agriculture, à l'industrie, au transport et à la production d'énergie. C'est un moteur de la croissance économique. L'eau constitue un levier de développement agro-silvopastoral. Le Tchad regorge d'énormes potentialités en eau. La surface en eau est estimée à 21,8 milliards de mètres cubes par an, 450 milliards de mètres cubes d'eau de réserves exploitables disponibles et 20 milliards de mètres cubes d'eau renouvelables. Mais le Tchad demeure un pays vulnérable car il fait face à des graves crises climatiques. Le gouvernement a déployé des moyens considérables. C'est ainsi qu'en 2019, le taux d'accès à l'eau potable est porté à 61,85%. Ce taux d'accès cadre parfaitement avec les objectifs du développement durable 6 et l'axe 4 du PND 2017-2021. Ces efforts du gouvernement en matière de réalisation des infrastructures d'eau sont considérables dans certaines villes. Des châteaux d'eau poussent partout et des points d'eau potable ont été inaugurés. L'État et ses partenaires mettront les pieds sur l'accélérateur afin de fournir à la population tchadienne de l'eau potable au recoin du pays, car l'eau non potable tue silencieusement. La qualité de l'eau et l'assainissement restent essentiels pour vivre dignement. Chaque année, sur les 2,3 milliards de décès liés à l'activité professionnelle, 17% peuvent être imputés aux maladies contagieuses et à l'indigestion d'eau non potable. Plus de 70 millions de personnes n'ont pas toujours accès à une eau propre et salubre, condition nécessaire à une vie saine. Près de 2 milliards de personnes auraient besoin d'accès à un assainissement amélioré et à une source d'eau potable, les filles et les femmes étant particulièrement
particulièrement défavorisées. C'est pour répondre à cette situation que l'ONU et ses États membres consacrent cette journée à la mise en œuvre des recommandations des Nations Unies, notamment sur les économies d'eau et à l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable qui est reconnue comme un droit fondamental par l'ONU. Une journée appelle une autre. Demain 23 mars sera célébrée la journée de la météorologie mondiale. L'édition de 2020 traite du climat et de l'eau. Le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Mahamat Tahir Orozi, a fait une déclaration de circonstances. En voici un extrait. La journée météorologique mondiale et la journée mondiale de l'eau 2020 ont par conséquent un thème commun, le climat et l'eau. Ce thème souligne la nécessité de gérer les questions relatives au climat et à l'eau de manière plus coordonnée et durable en raison des liens indissociables qui les unissent. Le climat et l'eau sont au cœur des objectifs mondiaux en matière de développement durable, de changement climatique et de prévention catastrophique. En collaboration étroite avec ONU Eau et d'autres partenaires clés du système des Nations Unies, l'OMM, s'efforce de renforcer la mise en œuvre de l'objectif 6 des objectifs de développement durable ODD qui portent sur l'eau propre et l'assainissement et d'en accélérer la concrétisation. L'eau douce est essentielle à la vie. En moyenne, un être humain ne peut survivre plus de 3 jours sans eau. L'eau est indispensable à la production des aliments et pratiquement tous les biens et services, ainsi qu'à l'environnement. L'eau est l'un des biens les plus précieux du XXIe siècle. Les services météorologiques et hydrologiques nationaux seront au cœur des efforts visant à compter chaque goutte d'eau parce que chaque goutte compte. Aujourd'hui, le monde est confronté aux défis croissants que posent le stress hydrique, les inondations et la sécheresse, ainsi que l'accès insuffisant à une eau salive. Il faut, de toute urgence, améliorer la prévision, la surveillance et la gestion des approvisionnements en eau et s'attaquer aux problèmes relatifs à l'eau qui sont l'excès, la pénurie et la pollution. Mesdames, Messieurs, déjà 25% de la population mondiale, soit 2 milliards de personnes, connaît de graves pénuries d'eau. C'est pour ces raisons que le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, accorde une importance particulière à la qualité et à la disponibilité de l'eau pour tous les Tchadiens. Sachez que le commandant de la force mixte en second, Saad Al-Hadi Abdoulaye, se trouve à Béché, où il a rencontré le gouverneur du Wadaï, Ramadan Erdibou. On en parle avec Djido Mohamed Barka. Le commandant de la force mixte en second, Saad Al-Hadi Al-Baloul, est arrivé ce matin à Abéché, chef-lieu de la province du Wadaï. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport d'Abéché par le Grand Force Mixte Tchad Soudan, le général de division Ousmane Bahar Mohamed Itno, et le comzone numéro 2, le colonel Ousmane Debiangir et quelques officiers de la force mixte. Après le passage des troupes en revue, le Comforce en second a serré les mains des officiers et sous-officiers de la force mixte. Juste après son arrivée, le Comforce Saad Al-Hadi Al-Baloul a eu une rencontre avec le gouverneur de la province de Wadaï, Ramadan Erdebou, en présence de deux conciles, celui du Tchad à El Genera, Azhari Ibrahim Moura, et son collègue du Soudan à Abéché, Mahamoun Mohamed Hissen. Occasion pour le Comforce en second de signifier que son déplacement à Abéché s'inscrit dans le cadre de prise de contact initiée juste après sa nomination à la tête de la dite force. Saad Al-Hadi promet œuvrer avec les autorités tchadiennes pour le maintien de la paix le long des deux frontières communes. Pour sa part, le commandant de la force mixte Tchad Soudan, le général de division Ousmane Bahar Mohamed Itno, a salué la visite de son collègue soudanais avant de retirer l'engagement des éléments de la force mixte à œuvrer davantage pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Le gouverneur de la province de Wadaï, Ramadan Erdebou, s'est réjoui de cette visite qui, selon lui, s'inscrit dans le cadre de la coopération qui unit les deux pays, à savoir le Tchad et le Soudan. Le gouverneur a également loué la mission de cette force qui a joué un rôle important en matière de la paix et de la sécurité tout le long des deux frontières. Ramadan Erdebou a encouragé le responsable de cette force à aller de l'avant au profit du bien-être de la population. La lutte contre le bandit de grand chemin et le trafic de drogue et autres produits prohibés n'ont pas été perdus de vie par le gouverneur. Le Comforce en second a eu également droit à la projection d'un film relatif à la réalisation de cette force depuis sa création
en janvier 2010 jusqu'à nos jours. Le gouverneur du Bata poursuit son périple dans la circonscription administrative. Benin Edo Tatola s'est rendu dans le département de Haraz et Djeddah. Partout où il passe, il rencontre les responsables administratifs, civils et militaires. Mama Tahir Djibril Alhour. Comme d'autres départements et communes du Bata, Haraz Djombo, chef-lieu du département du Haraz, a reçu la visite de prise de contact et de travail du gouverneur. Et la chose la plus importante qu'il a pu constater à travers cette visite et à travers les explications fournies par le préfet est le problème du manque de moyens matériels et humains de travail. Le gouverneur a dans son message été complété par certains membres de sa délégation, en particulier la déléguée de finances, le délégué de l'enseignement et à la jeunesse et le président provincial de la Croix-Rouge. Dans la commune de Wadi Djedit, cette zone d'élevage par excellence, le gouverneur a particulièrement interpellé les responsables locaux à la transparence dans le recouvrement des taxes sur les bétails. Il n'a pas manqué d'appeler la population à l'observation des règles d'hygiène, notamment les lavages de mains au savon pour éviter cette fameuse pandémie, le coronavirus. Et justement, à propos du coronavirus, à Djeddah, chef-lieu du département de Wadi Rumé, l'étape suivante, le gouverneur a longuement évoqué le premier cas notifié de ce virus dans notre pays. Le représentant du délégué sanitaire du Bata, Dr Jim Toide Bemiana, a également intervenu pour donner des explications quant à l'origine, les symptômes et les risques de mortalité de ces virus. Le préfet de Wadi Rumé, Al-Qadi Adoum Kori, demande au gouverneur d'aider ce département naissant pour poser les jalons d'un développement durable. Dans le même département, le gouverneur Benaïdo Tatola a visité la commune d'Abu Hijlidja. Ici également, le vivre ensemble, la prévention des coronavirus et le recouvrement des recettes étaient le mot d'ordre de la déclaration du gouverneur. À noter que l'étape suivante sera le Bata Ouest. Le comité de gestion de la mairie de Bodo dans le Logon oriental a tenu sa session budgétaire et on en parle avec Miambay Mathura. La commune de Bodo dispose désormais d'un budget de l'exercice 2020. C'est à l'issue d'une session budgétaire que le dit budget a été adopté par les membres du comité de gestion. Le président du comité de gestion de la ville de Bodo, Ngarassoum François, a dans son mot de bienvenue indiqué que la commune de Bodo est une commune de moyen exercice dont ses recettes sont tributaires à plus de 90% de son marché hebdomadaire qui ne fonctionne vraiment que 3 mois à cause de l'état dégradant de l'axe d'Oba-Bodo. Le secrétaire général de la commune de Bodo, Alan Dikim Théophile, a renseigné que le dit projet est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 40 350 000 francs CFA comparativement au budget de l'exercice 2019 qui est de 43 416 000 de nos francs. Cependant, pour l'année 2019, 2 ronds-points et 1 bibliothèque communale baptisée Bibliothèque Joseph Brahim Seyd sont réalisés. Après des questions d'éclaircissement, de fond et de forme, les membres du comité de gestion de la commune de Bodo à cette session budgétaire ont adopté par acclamation le dit projet de budget. Le préfet du département de Kou-Est, Abakar Dime Aliki, a d'abord félicité les membres du comité de gestion pour le climat serein qui a prévalu avant d'inviter les membres à la franche collaboration et au travail bien fait pour que le présent budget adopté soit traduit en actes pour le bénéfice de la population. Les centres féminins de formation en couture de Chadra et de Michemiré dans le Bahr El Ghazal sont désormais opérationnels. La construction et l'équipement de ces centres sont l'œuvre de la Fondation Grand Cœur. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le préfet de Bahr El Ghazal. Amat Ali Daladou, reportage. Les actions de la Fondation Grand Cœur se multiplient dans la province du Bahr El Ghazal. Après la dotation en matériel agricole, des rations alimentaires et autres équipements, aujourd'hui, des centres féminins de formation en couture sont offerts aux femmes et filles du Bahr El Ghazal. À l'ouverture des centres de Chadra et de Michemiré, le point focal de la Fondation Grand Cœur de la province du Bahr El Ghazal, Issa Abdraman Tchungouli, a profité de l'occasion pour remercier la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debi Itno, pour toutes les actions entreprises à l'égard de la population du Bahr El Ghazal et en particulier aux femmes et filles pour l'ouverture de ces centres de couture. Pour le secrétaire général du département de Bahr El Ghazal Ouest, Mohamed Youssoubou, et le préfet du département de Kleta, Abakar Mustafa, les appuis de la Fondation Grand Cœur en faveur de la population du Bahr El Ghazal
ne sont pas déterminés. Ils promettent bien suivre le fonctionnement de ces centres en vue d'atteindre les objectifs fixés. Les bénéficiaires, quant à elles, n'ont pas caché leur satisfaction de cet appui pour leur autonomisation. Notons qu'une dizaine de machines de coudre à pédales, machines de broderie, machines à coudre manuelle équipées de leurs accessoires ont été remis au centre de formation de Chadra et celui de Michemré. Autre chose à signaler, l'ouverture de ces centres est couplée à la remise des arbres fruitiers aux membres des groupements féminins pour la plantation. Le chef de canton Gama a entrepris une campagne de sensibilisation de la population pour la cohabitation pacifique. Mahamat Abdelbanat, reportage. Mahamat Gombo Dungu s'est accueilli chaleureusement par le membre de la communauté Bornou résidant dans la ville d'Amtimane et ses environs. Après avoir été reçu par le secrétaire général du département de Barazoum, Dido Ali Abacha, le chef de canton Gama, Mahamat Gombo Dungu se s'est rendu chez le chef de canton Salamat 1, Amar Mahamat Ali, qu'il a reçu en présence de quelques notables de la chefferie traditionnelle. Il a aussi rencontré la communauté Bornou au quartier Gardolé dans la ville d'Amtimane. Pendant cette séance, il a exhorté la communauté à la consolidation de la paix dans la province du Salamat. Selon lui, la consolidation de la paix est une condition très recherchée par le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno. Une lecture des quelques versets du Saint-Coran a été aussi faite par la communauté pour que la paix règne dans ce pays, mais aussi l'assistance prie Dieu le Tout-Puissant de sauver le Tchad de toute calamité. En sport, la mission de détection des jeunes talents basketball est dans le Moyen Chari. Les techniciens de la Fédération tchadienne de basketball ont organisé un stage auquel ont pris part les jeunes âgés de 7 à 18 ans. Innocent Kilayo. La détection des jeunes basketteurs de Sahar, chef-lieu de la province du Moyen Chari, considéré comme le foyer du basketball tchadien, a tenu toutes ses promesses. Venus de différents clubs, une quarantaine des jeunes basketteurs a été mobilisée. Et c'est le gouverneur de la province du Moyen Chari, Diber Younous, qui a donné personnellement le coup d'envoi. Repartis en deux équipes, les jeunes basketteurs de Sahar ont livré un match spectaculaire. Chaque joueur a démontré son talent pour avoir une place dans la sélection. À l'image de ces deux jeunes joueurs de 17 ans et qui mesurent déjà entre 1m95 et 1m98. Aujourd'hui, mon talent, j'ai bien joué. Mes amis m'ont bien joué. On a tous bien joué. On ne sait pas, on va être parmi les sélections, les sélectionnés. C'est ma première fois de jouer un match comme celle-là, mais j'ai rencontré des difficultés, mais je demande à Dieu, je demande à mes équipiers de m'aider à m'en sortir. Impressionné par le talent de ces jeunes basketteurs, le gouverneur de la province du Moyen Chari promet de faire la promotion du basketball dans sa province. Vous, jeunes talents, je vous encourage. Tant que je suis là dans le Moyen Chari, je serai avec vous, car j'étais un basketteur, j'ai eu à participer. Après ça, l'équipe de détection des jeunes basketteurs mettra le cap sur Koumra, chef lieu de Mandoul, un autre foyer de basketball. L'Assemblée générale élective de la zone 4 de la Confédération africaine de volleyball s'est tenue à N'Djamena. Les assises ont permis d'évoquer les problèmes que rencontre la discipline au Tchad. Kanouba Théophile. La zone 4 de la Confédération africaine de volleyball a tenu son Assemblée générale élective le week-end dernier à N'Djamena. Organisée par la Fédération tchadienne de volleyball, ces retrouvailles ont permis aux responsables des instances dirigeantes de volleyball des 8 pays de l'Afrique centrale de discuter sur les difficultés qui entravent le développement de leur sport de prédilection et de s'engager pour son rayonnement. Paradoxe, au Tchad, pays hôte de cette rencontre, la discipline est dans un sommeil hibernal depuis plus de 5 ans. La Ligue de N'Djamena, considérée comme la vitrine du volleyball tchadien, ne parvient pas à organiser un championnat en phase aller et retour avec plus de 4 clubs. Même son de cloche du côté de la Fédération tchadienne de volleyball qui ne brille que lors de la semaine nationale des sports scolaires où les techniciens sont sollicités sur les différents terrains pour superviser les rencontres. Dans cette situation, on ne peut pas parler du développement ni du rayonnement de la discipline. D'ailleurs, la Ligue de N'Djamena, ligue phare du pays, ne compte que 2 clubs qui s'entraînent régulièrement.
Il s'agit du club de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, DGSI, et celui du général Idriss Dokoni Adiker, président de la dite fédération. Avec deux clubs, peut-on vraiment parler d'une ligue bien structurée, avec un programme d'activités et de compétitions qui peuvent permettre aux joueurs d'exprimer valablement leurs talents et être compétitifs? Certes, on nous parlera des moyens et surtout des sponsors, sachant que le sport est devenu une entreprise qui a besoin d'investissements pour la prise en charge des joueurs, les équipements et les matériels d'entraînement. Cependant, les dirigeants doivent savoir qu'ils ont la responsabilité de faire le premier pas, créer des clubs et organiser un championnat qui puisse attirer le public pour susciter la convoitise des entreprises pour le sponsoring. Ainsi donc, il ne sert à rien de créer une ligue quand la discipline se pratique comme une simple distraction, un simple passe-temps. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci au chef d'édition, Abdourahmane Youssouf Aligad. Merci à l'équipe en régie. Merci à toute l'équipe de la rédaction. À très bientôt.